Wir kommen gerade vom Außenminister und der hat uns erzählt, dass mit Ihnen zusammen Minister war 1990. Nous venons, nous avons parlé avec juste maintenant avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Dimas. Ah, vraiment plus. Non. Monsieur Dimas, maintenant, qui était avec vous, ministre, dans le temps, c'était 90. Il nous a raconté une histoire. Vous êtes allé à l'Union soviétique à cette époque. Et puis, vous êtes allé à Gorbatchev. Gorbatchev qui était là, qui vous avait... Und eigentlich sollte es Politik gehen und die Beziehungen zwischen Griechenland und der Sowjetunion. Aber als Gorbatschow hörte, dass Mikos Theodorakis da ist, nur noch über Musik, nur noch über ihre Musik, es wurde über nichts anderes. Normalement, les sujets étaient bien sûr la politique, les relations bilatérales et tout. Mais dès que M. Gorbatschow a appris que c'était vous qui étiez avec la délégation grecque, il n'y avait qu'un sujet, c'était votre musique. Ihre Lieder, er hat sogar einen Text eines Liedes von ihnen aufgesagt. Et Gorbatschow se connaissait même un texte d'une chanson de vous. Et quand c'était arrêté, la ministre de l'Inca, Français. Oui, on est plusieurs, vous comprenez. Oui, je m'excuse en français, c'est pas tout à fait ça, mais. Très bien. Ma situation était très délicate. Quand j'étais arrêté pendant la dictature. Als ich festgenommen wurde bei der Diktatur, war meine Lage ja sehr prekär. Peut-être il était divisé en deux. Le moitié, il voulait me fusiller tout de suite, les autres me fusillaient plus tard. Und die Meinungen teilten sich in zwei. Die einen wollten mich sofort umbringen und die anderen ein bisschen später. À ce moment, l'Union soviétique, on a appelé à Moscou. Et il a dit, si vous tuez Theodorakis, vous aurez contre vous toute l'Union soviétique. L'ambassadeur de la Russie et de la l'ambassadeur soviétique. L'ambassadeur grec. Et le ministre étranger, il a dit ça. Et après, il était chauffé pour ça. Und zu dem damaligen Zeitpunkt sagte der griechische Botschafter in Moskau, wenn ihr Mikis Theodorakis umbringt, habt ihr die gesamte Sowjetunion gegen euch. Und der Außenminister hat genau dasselbe gesagt und so wurde euch gerettet.